Bonjour à tous, aujourd'hui nous parlons de la série Egerland Mystery, Adventures of Lolo. Egerland Mystery est le premier épisode de la série des jeux Egerland. Cette série a dans un premier temps été réservée à un public relativement restreint, puisque les premiers épisodes ne sont sortis quasiment que pour MSX, au Japon, puis Famicom Disk System, ce qui ne les rend pas vraiment beaucoup plus grand public. Puis la série a connu un second souffle avec le cinquième épisode, Adventures of Lolo, sorti sur NES en 1989 et exporté aux États-Unis, dont découlera une nouvelle trilogie pour la machine. La série a ensuite connu quelques jeux, mais est aujourd'hui un peu tombée dans l'oubli. Egerland Mystery pour MSX est donc le premier épisode de la série. Il peut paraître, et c'est assez logique, un peu rudimentaire, mais il s'agit d'un bon jeu. Il a déjà de bonnes idées et apporte les bases de la série. On y incarne Lolo, une petite boule bleue qui doit sauver la princesse Lala. Des monstres ont envahi le royaume paisible d'Edenland, et le dieu Edena a confiné les monstres dans la zone d'Egerland. Mais ils ont emmené avec eux Lala, l'une des filles du roi. Le jeune Lolo est choisi pour aller à sa rescousse. Il faudra donc guider Lolo dans Egerland, où il devra résoudre des puzzles afin de récolter les cœurs présents dans chaque salle qui lui permettront, une fois réunis, de faire apparaître la sortie. Les monstres n'attaquent pas tous, mais bloquent au moins le passage. Chaque fois qu'il récolte un cœur, Lolo a droit à deux tirs magiques qui peuvent tuer les monstres. Le passage peut également être bloqué par des caisses que Lolo peut pousser, mais seulement s'il n'y a pas d'autre objet derrière. Et donc, comme les tirs sont limités, et que les caisses ne peuvent pas être poussées sans restriction, et que l'on risque de se bloquer le passage si on les place mal, il faut réfléchir à l'ordre d'exécution des actions pour pouvoir récupérer tous les cœurs et résoudre le puzzle. Il y a différents types de monstres. Ceux qui se régénèrent en pondant des œufs, les têtes de mort qui se mettent à vous poursuivre une fois que vous avez récolté tous les cœurs, les dragons qui tirent dans une seule direction et s'activent aussi au ramassage des cœurs. Il y a des ennemis capables de tirer dans plusieurs directions, ceux qui tentent toujours de vous attraper. Toutes ces données obligent à anticiper pour trouver la bonne manière de pouvoir récolter tous les cœurs et aller à la sortie sans mourir. Par exemple en barrant la trajectoire des tirs ennemis avec des caisses placées au bon endroit et permettant, si elles sont bien placées, de se frayer un chemin sans danger. Par exemple, dans l'un des premiers niveaux que nous voyons ici, on voit 5 caisses, 2 ennemis, les 3 cœurs à récupérer et la sortie du niveau qui s'ouvrira une fois que les 3 cœurs seront récupérés. Ces ennemis présents à l'écran peuvent tirer à droite, à gauche ou en haut, le bas étant bloqué par le mur. Si vous passez trop près, vous ne pouvez pas éviter leur tir. Si vous tentez de récupérer directement l'un des 3 cœurs, vous allez donc directement vous faire tirer dessus et perdre. Il faut anticiper et bloquer leur futur tir avec les caisses. Pour cela, on déplacera d'abord un bloc du groupe de 2 caisses, celui de gauche ou de droite, peu importe, pour le mener au-dessus du monstre, en commençant forcément par le bloc du bas. En effet, si on amenait le bloc du haut au-dessus de l'ennemi, donc contre sa tête, on ne pourrait plus déplacer le second que vers le bas, la droite et la gauche étant bloquées par le fait qu'il y aurait 2 caisses l'une contre l'autre, et le déplacement vers le haut n'étant pas accessible, puisqu'il faudrait se placer devant l'ennemi qui nous tuerait tout de suite. Il faut donc placer le bloc du bas au-dessus de l'ennemi, comme ceci, puis déplacer le bloc du haut pour l'amener entre l'ennemi et le cœur du bas, et faire de même de l'autre côté, pour pouvoir accéder au cœur sans pouvoir se faire toucher, tout cela en restant éloigné des tirs, et en ne prenant donc, dans un premier temps, pas les autres cœurs non plus. Une fois les caisses bien placées, comme vous pouvez le voir ici, les ennemis ne peuvent plus vous toucher que si vous passez par les chemins entièrement à gauche ou entièrement à droite. Mais vous n'en avez pas besoin, car vous avez soigneusement laissé le passage du milieu, où il y a le cœur du bas, libre. Vous pouvez tranquillement récupérer les 2 cœurs du haut, leurs tirs du haut sont bloqués, puis passer entre eux, leur tir vers l'intérieur est bloqué, récupérer le dernier cœur, ce qui ouvre la porte, il ne vous reste plus qu'à pousser la cinquième caisse vers le bas pour pouvoir accéder à la sortie. Ceci est un des premiers niveaux, avec seulement ce type d'ennemis, pour apprendre à les connaître. Mais les niveaux se complexifient bien sûr au cours du jeu. Il y a 2 modes de jeu, le second ajoute une limite de temps et un système de décompte de points différents, un éditeur de niveau et un système de mot de passe permettant d'accéder à des niveaux supplémentaires. Assez peu connu en Europe, et pour cause quasiment aucun épisode n'a atteint l'Europe, et semblant aujourd'hui oublié, la série Egerland Mystery ou Adventures of Lolo est pourtant une série de jeux de puzzle ne contenant quasiment que des épisodes de qualité. Nous venons de présenter le premier épisode Egerland Mystery de 85, le second, Egerland 2, arrive dès l'année suivante en 1986. Egerland 2 est un peu plus joli que son prédécesseur. Il abandonne l'éditeur de niveau, ajoute plusieurs sorties possibles dans un écran qui mènent vers des niveaux différents,
et élève un peu le niveau de difficulté. Certains passages sont notamment difficiles à comprendre seuls, du fait de règles parfois spécifiques à un seul niveau. De nouveaux ennemis apparaissent, ainsi que quatre dieux qui, quand on les trouve, donnent des pouvoirs à Lolo, super vitesse par exemple. Le jeu original contient 100 niveaux. Eau et sable font parfois obstacle à Lolo qui ne peut alors pas passer. Pour MSX, en plus du Japon, le jeu aurait été porté en Europe, mais son extrême rareté fait qu'il n'est, à l'heure actuelle, pas encore défini, s'il s'agissait d'un projet non abouti, ou s'il est bel et bien arrivé sur le sol européen. Les autres versions sont restées exclusives au Japon. Sur MSX2, le jeu est un peu plus coloré. Le portage pour Famicom Disk System en 87 est assez différent. Graphisme et musique revue, ajout d'une introduction, dans laquelle on peut voir Eger, le roi d'Egerland, pour la première fois, ajout également d'une vingtaine de niveaux, et d'un système de sauvegarde à la place des mots de passe. En 88, Egerland Revival of the Labyrinth est le premier titre à sortir pour la Famicom, la NES japonaise. Il se base sur Egerland 2, mais y apporte des modifications. Il contient 162 niveaux, les 4 dieux sont toujours présents, et il faudra trouver des clés et cartes pour ouvrir les différentes portes. Il existe aussi des sorties secrètes que l'on peut révéler grâce à une cloche trouvée au préalable. Le jeu est globalement encore plus difficile que le précédent et n'est pas conseillé pour débuter l'aventure dans la franchise. La même année pour Famicom Disk System, on trouve Egerland Departure to Creation. Ce titre est relativement similaire au premier épisode, il diminue la difficulté et réintègre l'éditeur de niveau. Et il est l'un des épisodes les plus courts de la série, avec 50 niveaux. En 89 arrive Adventures of Lolo. C'est à partir de cet épisode, pensé pour amener la franchise aux États-Unis, que le nom change donc pour Adventures of Lolo. Il est en réalité une compilation de 50 niveaux venant des différents épisodes précédents, améliorés visuellement et choisis parmi les plus faciles pour introduire à la série. Les niveaux sont répartis par 10 dans une tour de 5 étages. Le seul contenu réellement inédit est une introduction dans laquelle on voit Lala se faire kidnapper par le roi Eger. Le jeu a reçu un bon accueil critique. Adventures of Lolo 2, le second épisode pour les États-Unis, sorti cette fois-ci également au Japon sous le nom Adventures of Lolo sans le 2, possède également une introduction qui s'est fait remarquer par son ambiance assez effrayante pour son époque et la machine. On y voit Eger s'approcher lentement de Lala à l'air terrifié dans une pièce sombre avant de la saisir par le haut pour la kidnapper. Lolo part ensuite à sa rescousse. Visuellement, le jeu ressemble au premier Adventures of Lolo, mais il offre cette fois-ci des puzzles inédits et à la difficulté un peu rehaussée. Le jeu contient à nouveau 50 niveaux, plus quelques niveaux cachés. La version japonaise a rehaussé la difficulté par rapport à la version américaine. Adventures of Lolo 3, ou Adventures of Lolo 2 au Japon, est l'ultime épisode de la série sur NES. Il apporte plusieurs différences par rapport aux deux autres. Pour commencer, Lala ne se fait pas ici kidnapper, mais est un personnage jouable, bien que le gameplay n'ait pas de différence selon le personnage avec lequel on joue. L'héritier du royaume des Egerland a transformé tous les gens de l'Éden en pierre, sauf Lolo et Lala, qui étaient alors absents du royaume, et qui vont alors devoir rétablir les choses. On jouera donc cette fois en partie dans Edenland, et plus seulement dans Egerland. Nous commençons la partie sur une carte qui permet de choisir entre les deux lieux. Une fois que tous les niveaux auront été terminés, des deux côtés, un troisième lieu fait son apparition. Le jeu cumule plus d'une centaine de niveaux, et intègre cette fois-ci des boss. Les vies sont ici infinies, mais les énigmes beaucoup plus compliquées. Il est cependant possible de trouver un vieillard dans une grotte qui explique les règles de base du gameplay, faisant office de tutoriel. La version japonaise est à nouveau un peu différente. Le jeu a été très bien reçu. Il est possible de trouver un jeu sorti en 1994 pour Game Boy appelé Lolo's Great Adventure. Nous y retrouvons Lolo et Lala pour une aventure sur console portable donc. Leur enfant apparaît ici. Il s'agit d'une boule jaune se prénommant Lulu. Lulu, Lala et Lolo visitent un parc d'attractions appelé Grantyland, que le roi Eger cherche alors à conquérir. Pour cela, il arrête tous les manèges, et c'est à la petite famille de remettre les choses en place. Malheureusement, s'il n'est pas un mauvais jeu de puzzle Game Boy, cet épisode n'est clairement pas un des meilleurs de la série. Les graphismes sont un peu revus à la baisse, Lolo se déplace beaucoup trop lentement à l'écran, et le jeu n'apporte rien de nouveau au gameplay, et qui plus est ne contient que 44 puzzles. Hormis l'éventuelle version MSX, cet épisode est le premier à parvenir en Europe, sous le nom Adventures of Lolo tout simplement. Avec ceci dit, une version grandement améliorée, 144 niveaux, des couleurs avec l'utilisation du Super Game Boy et un tutoriel. Les intros et écrans titres sont également différents. Puis il existe un jeu PC qu'il est possible de trouver sous trois versions différentes. La première, Egerland Episode 0 Quest of Lala, est sortie en 1996, uniquement en téléchargement, et ne contenait qu'une trentaine de niveaux. La version boîte est sortie la même année sous le nom Egerland for Windows 95. Puis une version améliorée a vu le jour en 2000,
sous le nom Finally Fukatsu Egerland, ou Revival Egerland, et contenant quasiment 200 niveaux. L'épisode est en fait comme un préquel au tout premier épisode sur MSX. Le roi Eger vient d'être libéré d'un sanctuaire magique où il était enfermé depuis 500 ans. Lala se rend sur place et résout les différentes énigmes avant de se faire kidnapper par le roi Eger. On remarque tout d'abord une évidente refonte visuelle. En plus de cela, il y a également des possibilités de téléportation. L'éditeur de niveau refait également son apparition. Il est bien conçu et agréable à manipuler grâce à la souris, puisqu'il s'agit d'un jeu PC. Il est également possible de partager ses créations en ligne. Cette nouvelle et actuellement dernière version était donc plutôt bonne. A noter que l'on croise également Lolo et Lala dans les jeux estampillés Kirby, également de HAL Laboratory, développeur affilié à Nintendo depuis 1986. On croise également Lolo et Lala dans la série animée Kirby. A plus tard, gameuses et gamers.